weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes colos terminés du mois de novembre. Nous sommes le 29, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, le 30 même. Non, on est le 30, ouais. Je reprends le boulot demain. Donc je profite aujourd'hui pour vous montrer tous mes colos terminés. Donc du mois de novembre, il y en a moins que d'habitude parce que j'ai eu quand même des gros projets. Voilà, je me suis lancée dans des gros colos. Il y en a un qui a été débuté il y a fort longtemps et je l'ai seulement terminé maintenant. On va en parler après. Donc tout d'abord, dans le carré art déco, j'ai fait Jafar, donc pour un colo commun via groupe Facebook. Donc là j'ai utilisé la PBO or, c'est pas la or antique, c'est l'autre, c'est la basique. Sinon c'est du Prismacolor. Le fond c'est avec je ne sais plus ce que j'ai utilisé pour le fond. Jafar, est-ce que je l'ai noté? J'ai du mal à noter en ce moment. Je suis mauvaise élève en ce moment. Jafar, donc le noir c'est Prisma Hydro Wing pour le son truc là sur la tête. Et sinon c'est de l'aquarelle Artistro pour le fond. Oui, c'est ma palette d'aquarelle Artistro, voilà. Je suis toujours, je sais jamais faire comment faire le côté art déco en fait. Mais voilà. Pour ce colo, bon, la première fois que je fais Jafar, j'ai utilisé les combos à peu près, hein, parce que bon, j'ai pas utilisé toutes les teintes, il me semble, de Mademoiselle Disneyland. Hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les combos. Et pareil, hein, si vous, pour le matériel que j'ai utilisé, je vous listerai tout ça en barre d'infos. Et c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. Oui, ouais. Donc le art déco c'est bon. Ensuite dans le petit carré portrait Disney à chez Tirose, il est où? Il est où celui que j'ai fait? Non. J'ai fait Nick. Comment il s'appelle? Nick Wilde. Donc de Zootopie. Je me suis dit ça va matcher, je vais avoir une double page, c'est bien. Ça avance mon bouquin. Et ça a été un colo assez rapide vu que le fond c'était juste. Voilà, c'était déjà fond noir. J'ai juste rajouté de la paillette. Donc avec. Là au début je voulais mettre les glitters, les Giotto glitters. Mais ça traverse. Je sais pas si vous allez voir en haut. C'est pas. Voilà. Donc j'ai abandonné et finalement j'ai pris mon stylo gel Action pour le rouge. Le reste c'est les hybrides d'AliExpress parce que bah voilà, je les adore. Hein, donc. Et sinon c'est fait au Prisma et niveau combo. Est-ce que j'ai pris le combo de quelqu'un? Je sais plus. Non, ça me convenait pas. Du coup j'ai fait mes propres teintes. Voilà. Pareil, encore du. J'ai rajouté quelques. Un petit peu. Je sais pas si vous allez le voir dans la cravate. Enfin, du style gel hybride. Mais voilà. Je suis contente. Il est joli. Ce petit Nick. Et bon, bah ça me fait une double page. Et voilà, j'ai avancé ce petit carré. Ensuite, dans le petit carré. On continue le petit carré. Hein. C'est les colos que j'ai fait en dernier quasi. Voilà parce que j'avais mes gros projets avant et je me suis dit j'ai pas beaucoup colo bilan, ouais, on a l'impression de pas avoir beaucoup colorié dans le mois. Donc dans celui-ci j'ai fait celui-là, voilà, pareil, ça n'a pas été très long. J'ai essayé de vous le faire en color and chat mais je sais pas trop si j'arriverai à vous mettre une vidéo sur la chaîne parce que ça a duré des plombes.
Donc ça va être une vidéo beaucoup trop longue où il faut que je le mette, que je coupe le son et puis que je vous mette de la musique et je le mette en accéléré, je sais pas trop en fait. Donc j'ai utilisé stylo gel paillette Action pour le rouge, c'est celui que je préfère. Sinon j'ai utilisé mes Polychromos. Oui, Polychromos, un petit peu de Prisma et Neocolor que je suis venue ombrer. Mais voilà pour cette petite famille des Aristochats. Voilà. Et c'est tout pour celui-ci. Je vérifie toujours, j'ai toujours un... C'était mon premier ? Non. Si ? Non, j'en avais déjà fait un dans Love Story. Ah non, je voulais en faire. Bah si, j'en avais fait un. Mais il est où ? Montre-toi. Qu'est-ce que j'avais fait dans celui-là ? Bon ben, on ne saura pas. On ne saura pas. Si, j'ai fait réponse et... mais je sais pas où il est. Mais il y a réponse et... Comment il s'appelle le chéri de réponse? Flynn. Ah, Flynn. Voilà, j'avais fait celui-ci. Je me dis, je deviens folle. Ensuite, dans le World Within World, pour un colo commun... pour Aurore, j'ai fait donc les bougies. J'ai pas été très inspirée, j'ai mis du temps à le faire. C'est la première fois que j'ai du mal avec un Kirby, franchement. Donc le fond néocolore que je suis venue, je suis revenue le retravailler avec les Prisma. J'ai utilisé mon Charles Marker blanc. Mon stylo gel hybride, voilà, et là c'est de l'aquamarqueur aquarellé, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus, les bougies, est-ce que j'ai noté Prisma et Ocolor 2, c'est tout ce que j'ai noté, donc voilà. Mais oui, j'étais pas comme une ouf sur celui-ci. D'habitude, je prends beaucoup plus de plaisir dans les Kirby, mais celui-ci, je sais pas. Ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, il est fait. Il me plaît quand même. Donc voilà. Je sais pas si c'est pas le Kirby le plus avancé que j'ai. Ensuite, j'ai entamé mon Fairy Touch of Magic donc pour le colo en commun de Julie Nueva. Donc c'était sur le thème cocooning. Du coup j'avais commencé celui-ci pensant que ça ferait cocooning et tout avec... Attention, j'aimerais bien qu'il... Voilà. Parce que bah, elle est en train de tricoter la madame. Voilà. Mais après on s'est dit mais non ça va pas parce que les feuilles vont être vertes. Ça va faire plus printemps qu'autre chose. Donc voilà, bon, bah, donc j'ai arrêté de faire celui-ci. J'en ai fait un autre. Mais bon, il va falloir que je termine celui-ci du coup. Et j'ai fait celui-ci. Celui-ci fait beaucoup plus automnal pour le coup. Donc là j'ai utilisé les Staedtler... watercolor, ils sont très bien, ils ressemblent un peu au graphite tint, mais il y a moins de teintes. Mais voilà, je vous les conseille vraiment, ils sont vraiment bien, je me suis bien amusée avec. J'ai mis du néocolor, du Prisma, du stylo gel, un petit peu d'artistro. Grand chose. Mais je suis sortie de ma zone de confort. Habituellement je fais des choses super peps, voilà, très flash et tout. Et là j'ai voulu un côté un peu plus vintage, un peu plus pas fade mais un peu plus automnal là du coup pour le coup. J'ai aussi utilisé ma peinture PBO Silver sur la cheminée. On a du Mod Podge.
dans les ailes de notre petite bestiole. Non, là. Je vais pas y arriver, hein. Clairement. Puis là, je vais shooter dans le trépied. Je vais vous faire bouger. Ah, c'est une tanasse. Je sais pas. Voilà. Là. Voilà. Donc voilà pour ce petit colo. Sinon, ouais, l'effet bois, je l'ai fait avec mes prismes, mes drawings, je sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais alors, on a dit Prisma, Steader, Watercolor, et puis ouais, c'est ça. Ouais, le bois, je l'ai fait avec les prismas. Et ça, c'est néocolore. Ouais, néocolore. L'herbe, tout ça, c'est du néocolore aussi. Donc voilà. Donc je suis contente pour mon premier Clara Markova. Je suis satisfaite. J'ai pas été dans trop de teintes. Enfin, je suis restée. J'ai essayé de. Au début, je voulais partir sur un effet poil. Puis je me suis dit non. Non, c'est bon. C'est bon. Non mais bon, il faudra que j'y retourne du coup pour finir celui qui a été commencé. Sinon, autre gros projet, voilà, j'ai terminé enfin mon projet dans le Luna. Je l'avais commencé il y a tellement longtemps, en septembre, le 5 septembre je l'avais commencé, donc je le faisais un peu par-ci, un peu par-là. Le soir, voilà, les feuilles, ça a été tellement long. Donc là, j'ai utilisé du Prismacolor, des stylos gel hybrides, et puis c'est tout. Et les drawings pour l'arbre. Donc là, oui, ça va briller un peu de partout. Voilà mes bébêtes. Merde. Donc la seule du dessous aussi, elle est en stylo gel hybride. Mais je suis contente, voilà. C'est cette double page qui m'a fait craquer pour ce livre que j'avais trouvé d'occasion voilà, sur Vinted. Et voilà, c'est en édition Muse. Et ouais, le papier est bien, mais enfin voilà quoi, c'est pas. Je vais pas. Acheter que du mousse, franchement, non, je vois pas. Enfin, après, j'ai pas utilisé d'aquarelle dessus, donc voir plus tard si vraiment je trouve ce papier extraordinaire. Mais voilà. Voilà pour ce colo. Mais je suis. Ouais. J'ai vraiment passé beaucoup de temps sur celui-ci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre colo préféré. Donc voilà pour ce mois de novembre, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Du coup, j'ai entamé mon Flower and Sweet Girls. J'avais tellement envie de le commencer et bah, créer un color. Voilà, il y a un petit peu pour quelque chose. J'ai fait aussi la petite poupée de. Je vais essayer de le faire dans l'ordre aussi, je vais voir. Si il y en a une qui me tente plus, mais bon, je pense que je vais les faire dans l'ordre. Et je suis un petit peu le. Voilà. Les petites chibis et les exemples. Voilà. Donc j'ai ressorti mes Brutfeuner par contre. Là, Brutfeuner, stylo gel hybride, action. Et voilà. Donc je vais continuer ça un petit peu aujourd'hui. Là, j'ai juste blendé au blanc celle-ci de fleurs. Les autres ne sont pas encore faites. Et il y a des moments où je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est derrière. Il va falloir que je me trouve une image de référence quand même. Je vais regarder un petit peu ce qui a été fait parce que là, je ne sais pas trop ce qui se passe là derrière. Ou là. Je pense que c'est une fleur. Oh pardon, tu es mis un petit peu entrecoupé. Mais je continue le papier, franchement, je le trouve pas trop mal. Hein.
Donc oui, j'aime bien. Je sais pas encore si je vais faire quelque chose pour la bannière, là, je sais pas. Je ne sais pas trop. Mais j'aime bien. Donc voilà pour mon en cours. J'ai aussi mon mystère chez Vanellope que je n'ai toujours pas avancé. Hein. Va vraiment falloir que je m'y mette à celle-ci. Que je me mette un copier au 1 hein, et que je la finisse. Que je puisse continuer dans les mystères. Je pense que ça me bloque le fait qu'elle soit pas finie. Je veux pas en entamer d'autres. Donc voilà pour mes en cours. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les commentaires. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Et on se voit bientôt. Ciao.